Salut, c'est Ben de Rennes pour Snowsurf. On est aux Deux Alpes. On est là pour vous faire un retour complet sur une fixe qu'on a testée assez longtemps cet hiver. C'est la fixe à chaussage rapide, quasiment immédiat, on va dire, ni d'équerre supermatique. Alors, on a repéré un petit spot là pour le ride. Donc, on va aller chercher le spot, je ne sais plus trop où c'est. C'était assez sympa. Ah ouais, c'est là. Ni d'équerre supermatique, des fixes à chaussage rapide, on va dire instantané, et qui marche partout, même dans la popo, pas perdre sa board. Voilà, on chausse aussi simplement que ça. Voilà, c'est fait. Bon, on va essayer de pas s'en mettre une. On check le run un peu. Allez, à tout de suite. Pas de cailloux, j'espère. Ouais! Donc ça marche partout, la piste, la peau, ça peut jumper aussi. C'est vraiment assez étonnant, c'est fixe. Moi, ce qui ressort de mes 2 semaines de test, c'est que on a vraiment le feeling d'être dans une fixe normale. Et ça, c'est vraiment. Ce qui peut être peut-être frustrant avec les systèmes de chaussage rapide. Mais là, moi je me sens dans une fixe normale. Je vois pas la différence. Et on peut envoyer. Oh là! Hop, 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 hop. Pardon. Et vraiment, ça arrête pareil. On peut tracer. Ça marche aussi pour jumper, on a fait. Certes pas des gros jumps. Oula, un peu sur l'arrière. Mais ça fonctionne. Donc voilà, vraiment une bonne fixe qui peut convenir à un grand panel de riders qui à mon avis peut faire revenir. Des riders au snowboard, hein, tous ceux qui ont un peu switché pour le ski quand ils vieillissent. Là, c'est vraiment incroyable. Je vous la refais au cas où, si vous n'aviez pas bien vu. Le petit loquet, on enlève son pied. Et là, hop, on vient enlever son pied aussi. Donc là, c'est un peu en pente, mais hop, je remets. Et là, c'est reparti. On est reparti pour le ride. Donc voilà, des fixes qui ont vraiment cette plus-value énorme d'avoir ce chaussage immédiat et de fonctionner comme des fixes normales. On a vraiment cette tenue de la sangle. Pour ceux qui aiment bien, on a la boot qui bouge un tout petit peu, en tout cas qui flexe dedans. Donc cette fixe, elle est sortie l'année dernière. On l'a eu cette année en test une quinzaine de jours, donc on a pu rider dans différentes conditions. Que ça soit beaucoup de pistes, certes, mais on a fait de la trafole, on a fait une grosse journée de poudreuse aussi pendant les tests du matos de l'année prochaine. Donc voilà, on a vraiment pu la sentir. Ce qui en ressort, c'est que c'est une fixe en fait qui a le vrai feeling d'une fixe. On n'est pas sur un système où on a l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose. Vous pouvez garder vos boots, vous n'êtes pas obligé de changer de boots spécifiques ou de marque de boots. Ça, c'est assez intéressant. Pour déchausser, ça va vraiment extrêmement vite. Hop, un premier pied comme ça. On peut partir en one foot ou monter dans le télésiège. Et si c'est pour prendre les bennes, hop, là, on vient carrément avec son deuxième pied et on a déchaussé. On a un spoiler qui est assez intermédiaire. Moi, j'ai trouvé vraiment cool. On a ce strap central qui vient ici et finalement qui attache les deux. On ne le sent pas du tout. C'est ce qui permet que ça reste en place comme ça, hein, les sangles. Hein, on a réglé nos fixations. On vient verrouiller, une fois qu'on a réglé nos fixations, les petits cliquets comme ça. Là, on ne peut plus régler. Et il nous faudra redéverrouiller pour pouvoir régler ou dérégler. Si on a nos spoilers qui sont déjà enclenchés, on vient de régler nos fixes. On vient juste prendre le petit levier. On la met en position. Et on vient, hop, se chausser. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vais juste vous montrer le système. Donc le système, il est comme ça. Et on voit que c'est cette pièce-là, là,
qui va venir en fait quand on va appuyer le pied, qu'on va glisser le pied pour rentrer, qui va venir enclencher et voilà, on est fixé, tout est nickel. Donc c'est vraiment bien travaillé, une belle qualité de fabrication. Voilà, 15 journées de ride, aucun problème. Donc c'est un tout petit peu plus lourd que des fixes normales, mais moi je ne l'ai pas senti en ridant, j'ai juste senti quand j'ai porté ma board la première fois. Un produit qui est vraiment fait pour tous les riders et une belle, vraiment belle qualité de finition. Donc voilà la Supermatic, le test c'est fini, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas toutes les infos sur le matos avec nos tests sur snowsurf.com et aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta. Ben voilà, on vous dit à la prochaine pour un prochain test, prochaine découverte de matos et à bientôt, bon ride.